C'est pour moi les vidéos. Tu as coupé avec elle in-game. Eh là, t'inquiète pas les gars. Merci pour le follow. Merci à vous. Et du follow sur Twitter. Merci pour les follow sur Twitter. Je crois en leur histoire, ils sont fait l'un pour l'autre, ça saute aux yeux. Peut-être pas, hein. Après là, c'est juste une amitié, hein. Heureusement qu'elle m'a aidé, quoi, c'est tout. Après, c'est vrai qu'en service du matin, je peux pas trop compter sur les collègues. Le meilleur qui t'a follow. Bien. Et ce pantalon, il est parfait. Ah non, je devrais quand même aller Bonjour au mesdames. magasin de vêtements. Ah Mademoiselle Do, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pris trop de médicaments. Vous prenez Ah, trop de j'étais médicaments comme peut-être un ça? peu. Ah, bah, j'ai peut-être été un peu stressée. Vous Ah, c'est à savez, cause de on n'a moi. pas tout. Ah, non. Je suis désolé. Hein. Mais c'est pas grave. Ça va, monsieur White? Ah, mais vous m'inquiétez quand même. Ah, non, mais c'est. Mais monsieur Smith, il m'a dit en plus, il faut pas trop prendre. Sinon, c'est pas bon. Ouais, bah ouais, je vois. Et j'ai pas. Tu t'approches, les gars. J'ai pas écouté. Ouais. Pourquoi vous en avez pris autant comme ça? J'ai paniqué. Et j'ai trop pris. Et pourquoi vous avez paniqué, Mademoiselle Do? C'est à cause de de l'histoire que je vous ai embarquée? Elle est terrible, elle est Non? terrible. Vous êtes sûr? N'hésitez pas à me le dire, Oui? hein, c'est normal. Mais je. Oui, Bah alors. peut-être. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé d'autre alors si c'est pas que ça? Ah, mais non. C'est compliqué, mais vous savez, là, avec toutes les affaires, là, je me suis fait tirer dessus. Wow, Ah, pardon! wow, wow. Y'a pas de Oh là! soucis. Y'a pas de soucis. Ah Ça non, c'est. se Pardon, comprend, j'ai pris. ouais, je Vas-y! vois. Ouais, c'est les effets secondaires. Les calmants, les calmants! Vous êtes fait tirer dessus encore aujourd'hui? Ah non, non, mais c'est les séquelles. Ah, ouais, j'imagine, c'est pas évident. Bah Ah, écoutez. si, juste, j'ai un suivi, mais là, j'ai pas vu le médecin pendant plusieurs jours et je me suis un peu. Un peu J'étais un peu lâché, sur les nerfs et là. Et là, ce soir, bah. ouais. Elle est énorme. Bah. Elle est énorme, les gars. Voilà. Bah Vous écoutez, avez pas ma café? si j'ai ça, attendez, je vais vous donner ça. Là, je veux bien. S'il vous plaît. Ah mais ça va vous hein? Vous l'avez arrêté? Ouais, Ah mince. j'ai réussi à retrouver la personne, c'était bien Anderson. Après, il a pas avoué, mais moi j'ai rassemblé assez de preuves pour prouver que c'était lui. Donc voilà, après j'attends juste de faire mon rapport à mon capitaine, quoi. D'accord. Et voilà. Après, il y a des choses que je ne peux pas vous communiquer.
Oui, m'en dites pas plus, Non, s'il vous plaît. écoutez, mademoiselle, vous voulez aller vous. Là, j'ai pris ma journée, vous voulez faire un tour à la fête foraine pour vous changer les idées? Ce serait une bonne idée, non? Ah, super, super, super. Allez, bon. Bah, c'est laquelle voiture? La blanche. Bah, c'est ouvert. Oui. Ah, c'est ouvert. Ah, c'est pas moi qui conduis. Ah, ça va vous reposer un peu. Ah, oui. Et vous irez pas, monsieur Dos Santos, hein. De Je viens quoi? juste de passer secrétaire en plus. Non, vous inquiétez pas. Ah, merci. Mais je. Bah. Là, j'ai trop. Non, j'ai trop paniqué. J'aurais pas dû. Je regrette, hein. Je regrette Non, mais vraiment. ça arrive à tout le monde, un moment de faiblesse. Vous avez été là quand moi ça allait pas, je suis là quand ça allait pas très bien. Ah, On va merci, vous changer un merci. peu les idées. Ah, merci, merci. Vous êtes trop con. Merci Maxime. Il faut savoir faire un peu pause de temps en temps dans le boulot, avec tout ce qu'on voit. Faut aller changer les idées. Ah, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Dis donc, vous avez une belle voiture quand même. Oui, ça va, ça Ça fait va. plaisir, la police. Oh, bah après, je l'ai acheté avec mes primes, hein, mais maintenant, j'ai plus grand chose, mais j'aimerais bien Ah, c'est ma économiser. faute ça. Non, du tout, du tout, du tout. Vous inquiétez pas pour ça. Ah, là, je rééconomise pour changer de voiture et m'acheter une plus, vous savez, les styles américaines et grosses américaines, les Dodge Charger, etc. Ah oui, Je sais que vous êtes plus gros 4x4 tout terrain, vous m'avez dit la dernière fois, et moi, c'est plus les non, muscles non, car, quoi. moi je veux un quad. Ah, un quad, parce que d'un coup vous m'avez parlé de 4x4. Oui, je veux un tout-terrain pour aller partout, mais un quad. Je D'accord. veux pas une grosse voiture, j'aime pas les grosses voitures. Ah, ok. Enfin, j'ai un van, mais ça c'est pas une voiture, c'est un van. Ah non, oui. Bon, écoutez, je crois qu'ils ont des petits soucis. Oui, on va avancer. Ah, ça bouchonne Merci pour là, les c'est le follow. matin, c'est le matin. Ah, moi j'ai pas l'habitude des bouchons, d'habitude j'ai les sirènes. Oui, mais vous trichez. C'est ça, oui. Moi aussi j'ai triché tout à l'heure. Ah, c'est grâce à vous. Merci. Ça vous arrive souvent de perdre un peu le contrôle sur la dose de médicaments comme ça? Non? Non, je demande, hein, on sait jamais. Non, non. Ah, peut-être une fois, je crois. Je sais plus. Bah, peut-être C'est une ça les prise de gars. voix avec Thomas. Enfin, Monsieur Smith, pardon. Oh, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous avez Bah, l'habitude non, d'appeler mais si Thomas. je dis Thomas, vous saurez Ah peut-être pas oui, qui non, je vais c'est. pas savoir. Après. Ah, bah voilà. Après, moi j'ai plus eu affaire à Monsieur Neuhart dans le cadre du boulot. Monsieur Smith, je l'ai croisé que très rarement, ou alors Ah. pendant les élections. Monsieur Neuhart, il est trop gentil. Il m'a donné un pansement Hello Kitty. Par contre, il m'a dit, vous dites que c'est Tricard qui a donné. Bah bon, bah d'accord. Ah non, nous c'est pas trop ça, c'est moins agréable, nous les séances pour vérifier qu'on est en bonne santé pour le service. Oui, mais vous êtes costaud. Ouais, pas tant que ça, regardez ce qui m'arrive aujourd'hui. Oh, vous êtes enfui. Ouais, mais bon, c'est heureusement qu'il y avait du courant dans la rivière, sinon je m'en serais pas sorti. Peut-être, je sais pas. Bon, l'important c'est qu'on soit là. On À va où déjà? la fête foraine? Ah oui, la fête Si ça foraine, vous tente, oui. hein, après, si ça vous tente pas, on peut faire Ah autre chose. oui. Oui. Tout à fait, tout à fait. J'espère que vous dérangez pas pendant votre service. J'imagine que vous aviez fait une petite pause. Ah, bah là, non, moi je veux pas Oui, conduire, j'imagine hein. bien. J'ai quand Il vaut même la mieux. lucidité de pas prendre le volant. Un beau professionnalisme, ça. Ouais, Toujours, junkie et le enfin, à peu flic, près. le coup parfait, pourquoi pas?
J'essaye. Tricard aussi, il est oufissime. Je connais pas Tricard, j'ai pas encore eu affaire à lui. C'est un peu stressant comme travail en fait. Enfin, je j'imaginais pas, moi je pensais j'allais juste conduire des taxis. Des taxis tranquillement, mais non. Voilà. Et au lieu de ça, on rencontre des fous sur la route, des camions qui vous foncent dessus, des espèces de malades qui vous tirent dessus Ah, c'est vrai. là. Allez, Mademoiselle Do, ça va aller. Oui, ça va aller. Peut y Faut pas que penser, j'y c'est pense. passé, voilà, c'est passé. Vous êtes toujours là? Ah, merci, monsieur Ça ferait une zone. Monsieur White. Monsieur Jack White. Il n'y a pas de souci, appelez-moi Jack si vous voulez. Monsieur Jack. Je suis pas. Non, mais Jack tout court, c'est bon. Je suis pas en service. Non, monsieur Jack. C'est comme vous voulez. Ah, pardon, monsieur Jack. Ah, j'espère que ça va vite se dissiper quand même, hein. Bah, j'espère pour C'est vous surtout. difficile. Ouais. Ah, on va déjà changer les idées, ce sera mieux. Oui. Les gars, vous pensez que je peux me mettre à la place handicapée vu qu'elle est là? Mais au moins, j'ai pas bu. Oui, Ça, c'est je veux ça. pas. Mais je sais pas si les calmants, c'est mieux. Là, je sais pas. Mais Monsieur Smith, il a dit que c'était des plantes, hein, alors moi j'ai confiance. Ouais, fais attention quand même à ça. Oui, c'est vrai. Vous allez. Ah, c'est par là. Ouais, venez, venez. Mais attendez-moi, hein. Ouais, pas de soucis, pas de Attendez-moi. soucis. Pardon, pardon. Non, c'est le réflexe de toujours aller en avant pour vérifier le terrain. Oui, bah je comprends, hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes. C'est ça. Vous êtes déjà venu ici? Je sais plus. Oui, peut-être. Ah, je sais pas, moi c'est la première fois, alors que vous connaissez les endroits sympas. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que je viens, il n'y a jamais personne. C'est Oui, c'est fermé, vrai. peut-être. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est faisable de prendre la tour. Je crois pas, il faut essayer, mais j'aurais peur de vomir par contre. Ouais, peut-être que dans votre état, c'est pas la meilleure des choses. Ah, pas ça, hein, pas ça. Non, 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 pas non, non. ça. La roue, peut-être. Tranquille. Ah, d'accord. Après, je vous propose, je vous Aïe! force pas, si vous Y a un êtes pas. monsieur, y a un monsieur. Oh, ben, monsieur! Je veux monter dans la roue. Eh, monsieur. Hé! Hey! Eh, oh. Doucement, mademoiselle, doucement, 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 doucement. C'est bon, vous l'avez mis KO. Ça va bien se passer. Elle est ouf! Elle est ouf! Ça va, même celle-là? Faut pas vous énerver comme ça, hein! Pardon. Je recommencerai plus. Je crois qu'on peut pas monter. Ouais, c'est pas évident. Pas envie, je crois. C'est dommage. Bon, tant pis. On peut marcher, hein. Oui, pas de soucis. Et vous restez longtemps dans cet état? Ah, je sais pas, c'est la première fois, j'en prends 4. Ah, 4. C'est quoi exactement ce que vous avez pris? Ah, faut demander à Monsieur Smith, hein, moi je sais pas. Moi il D'accord. m'a donné, j'ai pris, hein. Je lui fais confiance. Ouais. Vous voulez qu'on l'appelle pour qu'il vienne voir? Là, je sais pas si elle est là. Attendez, on va voir. On va s'installer là. Oui. D'accord. Ah, je veux une pizza. Cheese. Cheese slice. Ah, je veux. Oh non, j'ai fait tomber. Oh. Va aller. Attendez, je roule. Oh. Oh, laissez le panneau, y a pas de souci. Voilà, je pense que Monsieur Smith est en route. Hein. Ah. Vous voulez peut-être un petit hot dog? Ah oui. Ça fait du bien de manger quand on est dans cet état-là. Je sais pas. Est-ce? Ah, c'est pas cher, hein. Disons, Ginette, elle nous arnaque Venez, je avec ses sandwichs à 20 $. Ah, ils sont pas.
En plus, ils sont pas tellement bons. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a Monsieur Berthe. Ouais. Ah, c'est du bon sandwich. Il y a Monsieur Berthe. Il vend du pain, pardon. Il vend du pain qui est très très bon. Vous avez déjà mangé le pain de Monsieur Berthe? Non, mais il me semble que le capitaine, lui, a déjà goûté. Et apparemment, il était dur comme du ciment. Hein. À moins qu'il lui ait Mais filé une mauvaise fournée. votre capitaine, il sait pas ce qui est bon. Doucement, doucement, doucement. Oh, pardon, pardon, pardon. Oui, ah, excuse-moi, Mary. Parce qu'au bout d'un Moi, moment, je vais vraiment avoir mal. Oui, mais je vous rassure, moi aussi, un petit peu. Y a pas de soucis, ça va aller, mademoiselle Do. Ah, si On Monsieur va Smith voir. arrive, Ouais, il va ça arriver. va nous aider. Je pense qu'il va Ça va pouvoir vous nous aider. aider. C'est le mieux à faire. Je pensais qu'une petite balade vous ferait du bien, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah si, je me sors déjà un peu mieux. Oui, mais bon, je pense qu'il faut quand même l'avis médical. Vous avez pris quand même pas mal de... Je sais pas ce que vous avez pris et j'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose par la suite, quoi. Bah déjà, votre frère est parti, c'est déjà pas mal. Oui. Il est parti, oui d'ailleurs. Quel troll détective. C'est lui qu'on entend. Oui, c'est lui, oui. J'ai pas son numéro perso, alors je l'ai appelé depuis les urgences. Ah, fallait me le dire, j'aurais pu. Oh, c'est pas grave. Ah, le blab. Monsieur Smith. Attendez. Attendez ici, Monsieur monsieur. Smith. Je peux vous parler, docteur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais bonjour, c'est le cadet Jack Bonjour. White. Je suis pas en service là, je suis en mode civil. Je suis venu voir monsieur mademoiselle Do parce que elle me disait qu'elle se sentait pas très bien et apparemment vous lui avez prescrit un traitement sauf qu'elle en a pris trop en fait. D'accord. Donc après elle me Oui, dit que c'est parce traitement. elle se sentait pas très bien en ce moment, donc je me suis dit un petit tour à la fête foraine, elle lui ferait du bien, mais après quand elle m'a dit pour les médicaments, j'ai préféré vous faire venir. D'accord, très bien. Oui, en effet, je connais bien son cas. Je vais D'accord. voir ça avec. Ouais. Je vais rester avec vous, c'est moi qui l'ai emmené au cas où que je peux repartir avec elle. Oh, sinon, je la déposerai, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, bah déjà voir un peu. Parce qu'après, elle a des tendances à donner des petits coups dans les gens, des petits coups de poing, je sais pas si c'est des Oui. antécédents. Zeldo? Bonjour. Monsieur Smith, Elle elle. marche pas la machine. Elle est complètement folle. Monsieur Smith? Comment ça va, Elina? Ah, bien. Et toi? Ça va, ça va. Alors, t'as pris un peu trop de médicaments? Non? Oui? Oui, Peut-être? ouais. Ben, c'est pas bien ça. Heureusement, Ah. c'est que des plantes, mais on va peut-être ralentir un peu, hein. Bah, j'étais un petit peu stressée. Et alors j'ai Ah, j'ai paniqué. pas rien, les gars. J'ai pris trop de Oui. médicaments. Ah, je t'avais Merci prévenu pour la les dernière fois follow. déjà, hein. Oui? Peut-être. Bon, faut attendre que les effets passent. Hein. Malheureusement, on peut rien faire de spécial. D'accord. Thomas, j'ai mal à la cheville. Pour ces essais de coups, c'est le traitement aussi en cours hein, avec le traitement actuel. Non, moi je m'inquiétais juste On pour essaye quoi de qu'il arrive quelque ré... chose, quoi. On essaye de régler ça. C'est un peu. Je suis pas violente, hein. Peut-être. Non, du tout. On n'a pas dit Non, ça, Zelda. Ah bah oui. Non, je suis douce. Mais oui. Bah, Vous avez pas la vie je facile en vais ce mieux moment. sucrer. Eh oh. D'accord, qu'est-ce qui s'est C'est pas passé vrai? ce soir, Elena? Ah bah ça, moi je peux rien dire. Par contre, j'ai un pansement Hello Kitty à la cheville. C'est Monsieur Neuhart, il a dit c'est Tricard. D'accord. Mais j'ai toujours un peu mal à la cheville, hein, pour information. Bon. Le mieux, je pensais que je l'examine à Je l'hôpital, hein, pense mais que ouais, vous devriez apprendre. Ce sera ce beaucoup sera le mieux. plus simple. Le plus Ah, sûr je vais surtout. remonter dans le camion!
Je vous fais confiance à un Bon, docteur oui, pour la remettre il n'y a sur plus de pied. soucis. Je sais pas si vous avez mon numéro, monsieur Smith. Je regarde, attendez. Monsieur Jack White. Je sais plus si je vous l'ai déjà donné lors des élections, je suis pas sûr. C'est Monsieur Jack. Non, j'ai pas votre nom. Alors, je vais prendre votre numéro. Alors, c'est le 555 62 27. En effet, c'est bon. Je vous donne le mien, comme ça vous l'aurez. Oui, volontiers. Alors, le 555 75 78. C'est au nom de monsieur Smith, c'est Thomas ça? Smith. Thomas Smith, ok. Ah bah, n'hésitez pas à me tenir au courant de son état, si vous le voulez bien, mademoiselle Do. Ah bah oui. Et Tout puis, à si fait. besoin, pour aller la récupérer à l'hôpital ou autre, je serai disponible si vous avez besoin. D'accord. D'accord, très bien. Oh, merci, monsieur Jack. Y a pas de souci, mademoiselle Do, reposez-vous bien. Et Oui. docteur, on vous fait confiance. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais prendre soin d'elle. Allez, bon courage. Allez, viens, Lina. J'arrive. Bon Attends-moi. courage, monsieur White. Oh, merci, merci. Merci, monsieur White, hein. De Merci. rien, Ah, mademoiselle. c'était une bonne promenade, hein. Et le hot dog, il était bon. Y a pas de souci. Ah non, c'est par là. Hop. Allez, bonne promenade. Bon, par contre, les gars, dépressif. Elle joue vachement bien. Franchement, elle joue bien de ouf. Hein. Elle joue super bien son rôle. Hein. Ah ouais, j'aurais dû demander au médecin de me soigner. Elle a kiffé la saucisse, vous êtes débile, putain. Putain, par contre, les gars, j'ai soif et le seul truc qu'il y a, c'est ma bière, quoi. À 8 h du matin, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Ah, se faire soulever. Oh, vous êtes dégueulasses, les gars. Vous êtes dégueulasses. Vous êtes les pires. Eh, venez, on va voir combien ça coûte un appart tranquillou, genre sueur avec vue sur la mer. Quatre 4 300, 4 300 000. Pour économiser une bonne paire. Je n'arrête pas tout le monde sur le serve, moi. Qu'à économiser, elle t'a mis chaud. Mais non, les gars, oh là là. En même temps, elle m'a sauvé la vie, les gars. Là, elle va marcher comme un cow-boy, mais pas un cow-boy. Cyril, comme tu... Moi, tu gagnes en tant que policier 500 tous les quarts d'heure. Pire policier Ripou. Non, je ne suis pas un policier Ripou.
Alors on va faire le plein de supérettes là parce que on commence à crever soif et tout. Marre d'être dans le bad. Ne me dis pas. Des quarts de gars. Y'a pas de soucis. Tout va bien se passer, Dark Chips. On les aura. Ils ont tous fait le calcul, je leur ai dit j'ai 500 par. Bah, des fois, le président, si on fait un bon taf, nous met. Nous met. Comment ça s'appelle? Nous met une prime. Putain, après, j'ai un rapport de ouf à faire au Calcutène. Oh, ça va être terrible. Après, ils s'en occupent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Oh ta mère. Mais bon, laisse-moi tranquille. Et merci pour ton follow. Petit tout. Bienvenue à toi. Le GPS il fait faire des trucs bizarres quand même des fois. Ça fait quoi d'avoir pris 250 followers? D'être presque à 800. Putain, on est presque à 800 les gens. Oh putain, c'est des ouf. J'ai pas fait gaffe. Putain, on a pris 240. Oh là là, les ouf. C'est vraiment des malades. C'est des malades. Ah bah ça fait super plaisir les gars. Je m'attendais pas à ça. Bon, je suis conscient hein, que c'est la hype de Felly Five et pas non plus. Que ça fait pas. Ça fait quelques temps que je stream, mais. C'est vrai qu'il n'y a que sur Felly Five que j'ai autant de monde. Mais je sais très bien que c'est une hype, ça va se calmer au bout d'un moment, mais ça fait super plaisir vos follows. Merci beaucoup. Et encore un follow. Merci Thierry, merci à toi. Sans compter la bouffe. Refaites vos calculs, les gars. C'est aussi la hype dans ton escapade dans les courants du lac. Ah, mais celle-là, on a tellement eu chaud. Putain. Je pensais pas qu'on s'en sortirait. Je pensais que vraiment on allait partir dans le coma, mais méchant. Par contre, on va devoir se méfier à mort du groupe là. Que si c'est le groupe Anderson, le mec à la voix de Titeuf, le Jeff et une personne inconnue qu'on fait ça, qu'on commanditait ça, parce que j'en sais trop. En fait, c'est ce qu'ils voulaient faire en fait. Je pense que ils ont. Bah, il y a peut-être eu du stream talk, mais après ça, on s'en fout. On n'est pas là pour juger ça. Mais ça se trouve, ils ont pas voulu que je fasse un rapport au capitaine de ce qui s'est passé et des informations que j'ai eues. Parce que ça se trouve, je suis le premier à avoir eu ces informations. Parce que si le capitaine. Là, le mec, quand je l'ai interpellé, Anderson, ouais, le capitaine est pas au courant, machin, etc. Et merci pour tous les follow! 803! Spooky Thor, bienvenue! On a fait péter la barre des 800. Vous êtes des grands malades. Des malades de chez malades. Merci à tous. Bon, que va-t-il se passer? Encore ce check. Merci Godiscroll. Et merci à tous ceux que j'ai pas dit le pseudo. Je suis désolé, j'ai pas réussi à tout suivre. Veuillez m'en excuser. Et merci Super Kiwi. Super Kiwi avec le super pseudo. On a de la chatte sévère depuis tout à l'heure.
Il illustre de toute manière, le stream talk change rien à l'accusation d'un genre. Ah non, mais on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Merci à tous les follow, vous êtes des ouf de ouf. Ah mais non! Mais non! Mais non, pourquoi la voiture? Et merci encore pour tout. Mets tes 4000 en banque sinon tu vas les perdre. Ouais, c'est ce que je viens de faire, The Kills. C'est ce que je viens de faire. Et merci Walid pour ton follow. Merci beaucoup. Merci à toi, ton super stream. Mais merci, hein, super Kiwi, ça fait plaisir. Si ça plaît. Elle est où la justice pour les fenêtres, le cadet? Merci pour le host, Boost Ever. Ça aurait été vachement heureux que tu tombes dans le coma, dans le courant de la rivière. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait faire en fait. Il braque sa caisse, c'est ça. Exactement. Allez, on va repatrouiller les gars. T'as vivement qu'on ait pu ce statut de Cadaise. Tout cas, je suis content, on a bien tenu le service quand même. On n'a pas été dégueulasse. Ferme ta voiture, mais elle est fermée! Elle est fermée! Alerte boisson. Ouais, j'ai vu. Merci, Idizia. Et merci, monsieur Carlo. Merci tout le monde. Oh, putain, on est déjà à 813. On vient de passer de la barre des 800 et on se dirige directement sur la barre des 850. Merci à tous. Merci beaucoup. On a toujours nos armes, ouais. Chercher. Une question sérieuse cette fois-ci pour changer. Pourquoi est-ce que tu as donné l'information à Eleni que c'était Anderson qui t'avait kidnappé? Ce n'est pas la mettre en danger que tu lui donnes cette information. Ah ben non, c'est la prévenir. C'est la prévenir parce que je lui dis dans le but qu'elle se méfie de cet homme quoi. Après, clairement, les gens, il y a eu un avis de recherche sur Anderson, donc tout le monde a vu que la police chercher Anderson. Donc elle est pas bête, elle s'est doutée qu'il y avait un souci. C'est toujours. Les caps, je n'étais pas là. Tu as déjà touché l'égal? Non, pas pour moi. Salaud. C'était une rude soirée, mais favoreuse. Rude soirée, mais favoreuse. Yes! Yes! Bien vu et. Bien vu, bien vu. D'accord, faut juste pas qu'elle en parle à quelqu'un, sinon ça deviendrait dangereux si ça savait.
Mais je comprends. Ouais, voilà, Posca, tu vois, mon délire. Je pense pas qu'elle s'amuse à aller le dire, tu vois. J'attends qu'il te réponde, mais nous sommes pas à l'hôpital. Eh, vous êtes vraiment les pires. Après, voilà, c'est juste une amie, les gars, pour le moment. Hein. J'ai jamais dit qu'on allait faire quoi que ce soit, c'est une amie. Et merci pour tous les follow encore. Merci beaucoup à vous tous. Merci Neo Gameplays. On va faire un tour du côté de l'hôpital. Non mais après ça va faire harcèlement les gars, on va la laisser tranquille là, mademoiselle Do, faut qu'elle se repose. Faut bien mettre un peu de dynamisme. Pour le moment, retenez. Direct, les mecs, quoi, ils en lâchent pas une, quoi. Et tu dis un truc, ils sont tous dessus, quoi. Du coup, tu peux récap. Alors, Théo, on s'est fait. Alors, on a eu un appel police au commissariat, un truc de base. Le mec voulait le casier, une connerie genre, d'un de ses clients. Petite question de la paperasse. Cette personne au commissariat s'est fait apparemment piquer son véhicule. On a donc dit, bah, on part à la chasse. La personne n'était pas très chaud pour qu'on aille à la chasse de ce véhicule. Je fais, bah tiens, c'est bizarre. Il fait, non, mais vous le rattraperez pas. Ouais, bon, ok. Et ensuite, le mec qui lui avait pris son véhicule arrive au commissariat. Tiens, je t'ai ramené ton véhicule. Et là, apparemment, ça fait un peu genre, on se connaît, quoi. Du coup, je suis cette histoire. Du coup, on s'en occupe. Les deux se contredisent. Et un peu plus tôt dans la journée, on avait eu un délit de fuite en Audi R8 blanche. Et là, le mec, Anderson, nous dit, le gars est arrivé en Audi R8 en blanche, avec un gars. Du coup, on s'est dit, on va l'interpeller. On va l'interpeller. On l'interpelle. Enfin, on l'interpelle. On le menotte, on le descend et on le cuisine. On le cuisine. L'histoire entre Anderson et eux, c'est pas le truc de ouf, quoi. Ils ont... Il y a un truc qui pue. Et après, il me balance une histoire de complot contre le président. Donc, complot contre le président. Ouais, ils sont là. Complot contre le président, du coup, je me dis, ouais, c'est assez grave comme truc et tout. Et là, il me balance le nom de titre de merde. Anderson. Ensuite, il nous... Merde, my bad. Il nous dit un mec chauve avec la voix de Titeuf, un gars qui s'appelle Jeff, et un gars dont il connaît pas le nom. Ils veulent monter un truc contre le président. Donc, on s'y intéresse. Et on décide de libérer le mec en lui disant bah, tu vois ce que tu peux trouver sur ce truc-là et tu nous tiens au courant. Donc, on aide ça. On se barre. Dès qu'on le libère, appelle police. On y va. Et là, arrivé sur place, on se fait braquer par un gars qui nous dit de monter dans sa camionnette. Camionnette postale. On monte et le gars nous braque, nous emmène loin. Merci pour les follow. Nous emmène loin. Une fois très très loin, il nous fait sortir de la voiture, il nous met devant la voiture. Du coup, Jack White, lui, regarde la plaque d'immatriculation. Note que la plaque d'immatriculation est 19AKX570, si je dis pas de conneries. Le gars nous pose plein de questions sur la personne qu'on a interrogée et qui nous a parlé de la préparation d'attentat contre le président. Et du coup comment ça s'appelle, on lui a pas dit que le gars nous avait parlé de ça. Il nous a déplacés, mis au bord d'une rivière. Il est monté un peu plus haut pour passer un coup de fil. Et on a profité qu'on soit près d'une rivière pour sauter dedans, se faire emporter par le courant. Et une fois très très loin, ben, on a récupéré un véhicule. Et on a demandé à notre amie Elina Do de nous protéger en se baladant dans son véhicule. Et après, on a récupéré nos affaires à la police. On a mis toutes les preuves à plat. On a comparé la plaque d'immatriculation. Et c'était Anderson. Donc du coup, on a... comment ça s'appelle ? On a mis un avis de recherche et on a chopé Anderson. Anderson a nié. Et nous, comme on avait assez de preuves... On a décidé de l'accuser, de l'inculper, et voilà. Et par contre, Anderson nous a dit qu'il était en relation avec le président.
et qu'il avait des choses qu'il ne pouvait pas nous dire. Du coup, on va voir pour voir le président. Voilà. Vous êtes trop con. Qui connaît Milano? Non, je connais pas. Tu crois pas que c'est un coup monté? Adelina? C'est pour le moment. Mais elle me rappelle beaucoup ma femme que j'apprécie passer du bon temps avec elle. Ah, c'est quoi cette commande? Il faut l'enlever! Mais t'as pas honte? C'est bien calmé quand même depuis l'histoire. Hein. Ça s'est calmé les gens. Hein. Putain, mais vous êtes sérieux? Illusia, je te déteste. Je te déteste. Les mecs qui vont spam. Salut. Vous êtes sérieux à spam la commande là? Petit déjeuner? Hein? Ok, bah je vais arriver après. Quart d'heure. Arrêtez avec cette commande. J'ai même screen. Vous êtes les pires. Il faut être 300 à faire péter la commande. Vous voyez comment ça se passe? La rédaction des rapports? Eh ben pour le moment, j'y ai pas encore accès, donc je fais mes rapports à la mano comme je le sens et je les envoie au capitaine. Mais là y a du lourd. Elina, t'es gamin. J'en peux plus toi, Elusia. C'est un truc de ouf. Tu m'énerves. Non. Pas d'infos HRP. Donc, Sophie 35. Je l'avais en tête comme trajet pour passer après le port. Mais comment ça s'appelle? Là, je n'irai pas. Exprès parce que tu me l'as dit. C'est dommage. C'est dommage. Parce que là, sans que tu me le dises, j'y aurais certainement été après avoir été au niveau des pêcheurs. Et on serait peut-être tombé dessus. Mais là, c'est mort. Et merci Pyro 3600 pour ton follow. Vous êtes maintenant 821. En fait,
Scalios, les endroits illégaux. Si on les trouve, par nous-mêmes, on peut y aller, hein, faire des patrouilles, mettre des dispositifs en place. Il n'y a pas de souci, on peut y aller, hein. Après, par contre, si c'est dans le chat, on nous dit, ouais, le spot, il est là, c'est mort, on n'y va pas, on fait comme si on connaissait pas, quoi. On va que aux endroits qu'on a trouvés par nous-mêmes dans le jeu ou par des balances qu'on a cuisiné un peu, etc. Et merci pour tous les follow, merci Zivox, merci Raven, merci Noscoblo, bienvenue à vous tous. Hey, y a mon frère! Y a mon frère qui s'est connecté. Y a mon frère qui s'est connecté. Enfin, mon frère RP, hein. Il a été Théo. Tim! Cherche quoi? Va voir la SCC. Oh putain, par contre celle-là. Il est parti où? What the fuck? Oh, l'enculé, il est parti où? Je sais les pingamis. Ça s'appelle du stream talk, Raz. J'ai pas besoin de ça, je veux pas de ça. Putain, il est où cet enculé? Oh, tant pis, on l'a pas trouvé, hein. Oh oui, Verratti Street! Oh que oui! T'as loupé des trucs! C'est dommage. Merci pour les follow. What? Ok. Va sortir les culs d'ici. Oh merde.
C'est des ouf ici! C'est des ouf! C'est quoi ce délire? Putain! Vache! Ah bah là ouais, on a percé la voiture. Est-ce qu'il y a le... On va se faire un petit check-up. Putain, c'est tellement fait trouer la bagnole quoi. Pu lire là. Ah, la voiture elle fait la gueule. L'entend, ça fait. Elle a pris des trous. Eh bien, bonjour tout le monde! Salut Bal! Donc, Bal, c'est mon frère. Attends. Il faut aller au port, monsieur.
Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui vient de se faire abattre là. C'est un homme qui a abattu un autre homme avec des flairs de détresse. Je les ai vus D'accord. là, juste il y a un instant au croisement. Il est dans un véhicule sans permis. Il a un costume noir, une chemise blanche ou un polo blanc. Je sais pas qu'est-ce qu'il a en dessous de sa veste. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah, ok, je vais aller voir. Je vous remercie, Là, monsieur. j'allais tirer, mais non, rien. Non, évitez, évitez. Anderson. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur C'est l'agent. l'autre. Bonjour. C'est l'autre. C'est l'autre? C'est lui là, c'est celui qui se barre là-bas, c'est celui qui se barre là-bas. Bonjour monsieur. Vous pouvez mettre les mains en l'air s'il vous plaît? Bien entendu. Vous pouvez baisser les bras, je vous mets note. On m'a donné votre signalement comme quoi vous auriez abattu un homme. Oui, c'est deux personnes qui m'ont. J'ai mal freiné en fait, et du coup je l'ai touché et ils m'ont tiré dessus. Ce sont des personnes comme vous et moi? Non, 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 non. Comment dire, des citoyens normaux, quoi, D'accord, ouais, des gens qui n'ont rien pas à des se citoyens reprocher. prioritaires. Voilà, exactement. Ok, entendu. Ok, bon. Enfin, je pense qu'ils font partie d'un gang, quoi. Oui, mais je pense qu'ils vont bien. Ça devrait aller. Désolé, hein. Ouais. Non, pas de problème. C'est pour ça que je m'arrête de suite. Ok. C'est quoi votre identité, s'il vous plaît? Ethan Scott. Vous pouvez prendre les papiers si vous voulez. Voilà. Ok. D'accord, monsieur Scott. Ok. À la prochaine fois que vous faites tirer dessus comme ça ou autre, tentez plutôt de fuir et de nous appeler. Ça marche? Oui, ça va, pas de soucis. Ok. Allez, passez une bonne journée. Merci, gamin. Et monsieur l'agent, il se passe quoi là? Vous me bloquez? Je fais quoi là? Vous m'arrêtez? Vous me bloquez? Je fais quoi? Excusez-nous, le signalement était. Vous voyez, le monsieur a le même type de véhicule que vous et c'était ce monsieur-là que je cherchais. Excusez-moi, monsieur. Hein. Je vais bouger mon D'accord, je véhicule, vous en vous allez prie. pouvoir repartir. Allez, passez une bonne Merci journée. beaucoup, bonne journée. Merci. Ouais, en fait, c'était les PNJ de tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est les autres qui m'ont tiré dessus, mais c'est PNJ, je vais pas lui en vouloir parce qu'il a fait ça. Même nous, on écrase les PNJ qui veulent nous agresser, tu vois. Ils sont trop cons.
Ouais, mais non, mais là, j'avais aucune raison. Ouais, monsieur Smith. Monsieur White. Ouais, merci de prendre le temps de me voir. Je pense que j'ai besoin d'un petit check-up suite à quelques interventions et puis aussi les quelques coups que Mademoiselle Do m'a donné sans vouloir. Oui, elle avait dit ça, justement, j'allais vous Je contacter juste me sens après pas en pour voir. forme, au mieux de ma forme, quoi. D'accord, très bien. Vous avez mal quelque part en particulier là ou pas du tout? Ah bah j'ai pris un petit coup sur la joue. Là je suis passé dans un quartier chaud, on m'a tiré sur la voiture, mais je pense pas que enfin je sens pas. D'accord. Je pense pas en avoir pris une, à moins que ça soit l'adrénaline qui cache la douleur. D'accord. Il y a combien de temps que vous avez eu ces coups de feu? Ah là il y a 10 minutes. D'accord, oui, en effet, ça peut être le cas. Alors, je vais regarder ça. Ok. Si je vous appuie là, ça vous fait mal? Non, non, ça va. Non. Ah, il y a un petit saignement par là. Ah oui, vous êtes éraflé sur au niveau de l'omoplate. Je D'accord. pense que vous avez dû une balle qui est passée pas très loin. Hein. Là, je pense que vous pouvez aller voir l'état du véhicule après, c'est pas passé loin. D'accord. Ça risque de vous faire mal. Je vais vous faire une petite injection de morphine au niveau Ah, je suis de pas la fan des plaie et vous pouvez piqûres. vous recoudre. Vous inquiétez pas, vous allez rien. On va serrer les dents parce que j'aime pas ça, moi. Hop là, la petite Déteste piqûre, ça. voilà. Et maintenant, on va recoudre ça. Ça va faire plus malin. Ouais, Hop, les voilà. ailes. Voilà. Ça Voilà. m'apprendra à prendre des bols. Voilà. Hop, on coupe ça, voilà. Je vais mettre un petit bandage dessus pour le protéger, hein, Ça marche. autant que ça cicatrise. J'imagine que je dois y aller Voilà. mollo. Oui, un petit peu au niveau de votre bras gauche, hein. Faut faire attention, Ok. pas trop tirer dessus. Bon, ça va, je tire du droit, donc. On est pas trop mal. Faites attention, ouais. Faut mieux éviter de faire sauter Ouais, les les fils, j'imagine. piqûres. Ah, mais si c'est le cas, je reviendrai vous voir directement. Bon, il était de dégueulasser l'uniforme, le chef va pas D'accord. être content. Oui, tout à fait. Vous pourrez repasser peut-être d'ici quelques heures ou en fin de journée pour qu'on retire les points de suture. Ok, y a pas de problème. Comme ça, on regardera ce que ça en est, si ça a bien soigné aussi. Ça marche. Je vous dois combien Je vous donne rien du tout, hein, Pas du tout. l'État nous paye comme Ah ça. bon, c'est parfait alors. C'est gentil. Je vous donne juste les antidouleurs si ça vous fait mal, vous en prenez un. C'est généreux, merci. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je crois que j'ai d'autres Ok, personnes qui mais m'attendent. bon courage à vous, hein. Merci pour tout, hein. Oui, vous aussi, faites attention. Ouais, merci, allez, au revoir. Au revoir. Merci pour les follow, merci. Attendez, il faut que j'envoie un petit message IRL. La voiture fait la gueule, est-ce que MacGyver est là? Et merci pour les follow, on atteint les 852 followers, vous êtes énormes. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, Polska, qu'est-ce qu'il voulait, Polska? Dis-moi tout, je suis fan du kawaii. What? J'ai pas tout suivi. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui, bonjour. À tout hasard, vous n'êtes pas dépanneur? Oui, pourquoi?
pourquoi. Ah, vous l'êtes? Oui, exactement. D'accord, non, parce que je sais pas si vous voyez, mais ma voiture a pris quelques balles. Oui, le capot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je suis passé dans une zone un peu chaude, on va dire. Ah, on le voit très bien. Oh, votre portière. Aïe, 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 C'est aïe, pas passé aïe, loin. aïe. Oui, c'est pas passé loin. Et vu comme vous êtes ici, je pense que vous avez quand même pris une deux balles, hein. Ouais, c'est pour ça que je suis venu me faire soigner, j'en ai pris une petite dans l'épaule, mais ça va. Rien de grave, d'après le docteur. Bah écoutez, si vous voulez, garez-vous sur un parking, je vais aller la réparer alors. Ok, bah sinon, il y a... Ah oui, vous avez peut-être le... Moi, ouais, je vais faire ça là, alors. Oui. Ah, écoutez, je prends de la pâte pour boucher les trous, je prends aussi la machine à faire le verre pour faire vos phares Ok. et ça va être réglé. Hein. Super, je vous remercie bien alors. Voilà, allez, je vais prendre tout ça. Hein. Salut all. Merci pour les follow, Cacahuète TV, Foxy Game, Casker, Super Gmax. Bienvenue à vous tous. On va commencer à reboucher tout ça. Allez, c'est parti. Hop. Vous êtes qui en fait, monsieur l'agent? L'agent Jack White. Ah, vous êtes pas frère avec un certain monsieur Joe? Joe, oui, mais pas John, parce que j'ai rencontré un John White dans la ville, et ça nous a étonné d'avoir le même nom. Mais oui, mon frère, c'est Joe White. Ah, vous avez, ok, vous avez quelqu'un qui s'appelle avec le même nom en fait. Ok, bien. Ouais, bah, mon frère, c'est Joe White, et par contre, le John White, c'est pas du tout de la famille. Oh, bizarre, bizarre tout ça. Bon, il y a beaucoup de familles qui s'appellent aussi White. Hein. Ouais, ça a Voilà. l'air commun. Bon, je vais vérifier le petit compteur. Hop, le Allez, petit vas-y. compteur, qu'est-ce qu'il renonce? Alors. Ah, il a déjà roulé cette voiture. Déjà Oh oui. 2353 km. Ah, quand même. Eh, Voilà. on en fait pas Avec trop. plaisir, hein, monsieur l'agent. Allez, dites-moi combien je vous dois pour éviter que ça tombe aussi sur la facture du patron, parce qu'à force, il va pas aimer. C'est bien possible. Eh bien, toute intervention police est 2000 $, hein, monsieur l'agent. Ok, ben bah allez-y, faites-moi une petite facture. La petite signature en dessous. Voilà. Parfait, monsieur Hop. White. Eh ben merci à vous hein. C'est quoi votre nom vous? Avec plaisir. Que je sache Monsieur Devin. Monsieur Deva? Ok, entendu. Bah enchanté monsieur Deva. Exactement. Et merci Avec à plaisir, vous et monsieur puis bon White. courage. De même. Vous êtes un couple magnifique. Priado. Ah. Priado. Ah, c'est Do. Vous êtes pour penser que c'était Do? On vous aime, Freyado. J'ai pas tout suivi. Mais ça, non, non, non. Un petit coucou à Monsieur Jack White. Je peux pas t'entendre, mais merci pour ce soir. Je me suis bien marré. Ah, c'est Elina. Bah, bienvenue à toi, Elina, sur le, le stream. Bah, on s'est bien marré aussi avec toi, putain. Tu joues vachement bien. En tout cas, j'adore. Attendez, faut que j'ajoute le numéro de mon frère. Et oui, j'ai été lui filer un petit message sur Discord, elle entend pas, bougre d'âne. Oui, bah je sais qu'elle entend pas, mais voilà, je le dis, merde, si jamais elle regarde la rediff ou autre. On connaît pas d'autres serveurs. The Quet, j'en connais pas d'autres. Les mecs, ils ont direct spammé la commande dès qu'ils ont vu qu'elle était là, quoi. Bande de salauds. Bande de salauds. Non, c'est pas mon vrai frère, c'est un pote IRL. C'est un ami IRL.
ces balles que vous avez vues tout à l'heure sur le Discord. Pas enfin, sur le Discord. On n'a pas vérifié. Là, nous attendons que quelque chose. C'est la prochaine rencontre de deux personnages sur l'histoire, n'importe quoi. Et merci à vous pour les follow, 858 maintenant. On a pris 320 personnes en une soirée, enfin une matinée. C'est énorme. Là, d'ici un petit quart d'heure, je vais arrêter le stream. Pour que j'aille déjeuner enfin. Là, je parle récolte. Le traitement de kill. Ok. Attends-moi. Tant mieux, je suis juste à côté. On va rencontrer mon frère, lui raconter un peu ce qui nous est arrivé. Et après, on se dira au revoir et à certainement demain matin. Yo Idriss, ça va et toi? Merci pour les follow, Kevinix. Non, je reviendrai pas aujourd'hui, les gars. C'est mon jour de repos. Je suis à la maison. Je vais profiter du beau temps que tu nous offres. Enfin, il me semble qu'il fait beau, non? Non, il fait gris. Hein? Oui, mais on sait jamais qu'il fasse peut-être un peu plus beau. Bon, tapis. C'est pas beau. Ils le savent, ils t'entendent. Nunu. Ah là là. Gris, tu vis. Ouais, t'es Didi. T'es activité, c'est bien normal, faut. Ouais, normal. En région centre. Salut chez toi, mais putain la chance. Bah putain, il fait beau chez tout le monde. Le temps pourri, c'est un temps à faire de la cocaïne. C'est bon. On attend juste de rencontrer. Et bienvenue, Bzzzzak. On va boire un coup. On attend juste que. Joe le frère arrive. Et on lui raconte un peu ce qui nous est arrivé. Moche à Paris. Salut XTIREFR, merci à tous les follow, merci à vous tous. Bon, il a rien le frérot. Je crois que c'est lui qui arrive, j'ai entendu le klaxon, non? Le v'là.
Hey, tu me laisses arriver tranquille là? Eh oh, on va se calmer, grand frère. Comment tu vas? Oh, ça va bien et toi? Ça va. Mieux que ton camion, en tout cas. Ouais, mais c'est des chauffards les mecs, putain. Ils Bah, déboîtent pour est-ce que tourner, c'est pour toi le sortir et tout. chauffard? Par contre, tu sais que c'est obligatoire d'avoir les deux feux. De quoi? C'est obligatoire d'avoir tes deux feux quand même. Ouais, je sais bien, je vais appeler le dépanneur là, t'inquiète, hein. J'ai eu l'accident juste Ouais. là, juste avant d'entrer. Ah, c'est pas parce que t'es mon frère que, hein, faudra faire réparer Ah, ça. bah je sais bien. T'inquiète, hein. C'est Bon, prévu. t'as toujours pas d'entretien avec le capitaine pour le moment? Non, que dalle. Ah merde. Enfin, faut dire, en ce moment, un peu de mal à me lever, donc. Ça aide pas. Ah, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, il m'est arrivé des trucs de dingue là Ah pendant le ouais? service du matin. Ah ouais, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as failli plus me revoir. Attends. Sérieux? Ouais. C'était showtime, je m'en suis sorti un poil de cul. Ah putain, faut que tu fasses gaffe, mec. Ah, mais là, ça m'est tombé dessus, mais comme une merde, putain. En fait, tu vois, j'ai été appelé au commissariat pour de la paperasse par un type, tu vois. Et quand je suis arrivé, il y a une voiture qui est passée devant le commissariat à fond de balle. Et du coup, je suis descendu du véhicule, et puis je suis au gars, et puis ils font, ouais, c'est ma voiture, on vient de me la voler. Du coup, je commence à repartir dans ma voiture pour faire la poursuite, et le gars il me dit, non, c'est pas la peine, vous la rattraperez pas et tout. Il était pas motivé à ce que je fasse la poursuite, je vois, bizarre. Bizarre. Du coup, on discute et tout, et puis pendant qu'on discute, parce qu'il était venu pour savoir le prix d'amende, parce que c'est un avocat apparemment avec son client, machin. Et le mec, quand il a. Comment ça s'appelle Quand on a voulu sortir, le gars qui avait pris sa voiture est arrivé. Et du coup, il me dit, ouais, c'est lui qui a volé ma voiture. L'autre lui dit, non, il me l'a prêté, c'est même pas la sienne, machin. D'un coup, j'ai essayé de démêler le micmac. Sauf qu'un peu plus tôt dans la journée, j'avais fait une course-poursuite avec une Audi R8 blanche. Et là, Ouais. le mec qui m'a dit qu'il s'est fait tirer sa voiture m'a dit bah le gars il est arrivé en Audi R8 blanche avec un autre gars. J'ai, ah, ça m'intéresse. Recoupement, recoupement. Du coup, bah, je l'ai chopé, enfin je l'ai chopé, je l'ai mis en cellule histoire de le cuisiner un peu, tu vois. Il a commencé à me balancer des infos que bah, je peux pas trop te donner pour le moment vu que t'es pas encore dans la police. Oh, t'inquiète, je comprends. Et une fois que j'ai cuisiné le gars et que j'ai eu quelques informations, je l'ai laissé repartir. Et après, on m'a appelé sur une inter. Du coup, j'y vais à fond de balle et tout, tu vois. Me connais, j'y vais à fond. Ouais, Une bah oui, je te connais, fois ouais. arrivé, je descends. Et là, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Un mec qui descend d'une voiture et qui me braque avec une arme. Génial. Sérieux? Ouais, sérieux. Et puis, il me dit, vas-y, lâche ton arme et puis monte dans la voiture. Surtout que j'avais pas encore l'arme dans la main. Du coup, j'ai tombé, je suis monté Ah dans bah son oui. camion. Le mec, il m'emmène et puis. Dans un coin paumé, il commence à m'interroger sur le gars que j'avais interrogé, quoi. Ouais, vachement, Oh putain. vachement louche, quoi. Le gars, il avait la même tenue que le gars qui s'était plaint qu'on lui avait tiré sa bagnole. J'ai fait putain, c'est un bordel D'accord. monstre. Mais il avait un casque, donc je voyais pas son visage. Mais la voix était très ressemblante. D'accord. Après, le mec, il commence à me retrimballer ailleurs. Il me met près d'une rivière. Il me fait t'inquiète, tout va bien se passer et tout. Ouais, avec un flingue sur la tempe, tout va bien se passer, c'est génial. Donc, tu sais, il me met pas loin du véhicule. Bah, moi, professionnel, je regarde la plaque d'immatriculation, je la garde en mémoire. Normal. Il me dit, vas-y, mets-toi près de la rivière. Il se recule vachement haut. Et là, je vois que la rivière, ça fait un torrent et que ça descend plusieurs cascades. Je fais, putain, faut que je tente mon coup, sinon je m'en sortirai pas de cette connerie. Et donc, du coup, tu vois, j'ai tenté. Dès que j'ai vu qu'il avait un peu l'esprit ailleurs, j'ai commencé à courir. Je me suis jeté dans le fleuve et avec le courant, ça m'a emmené vachement loin. Il a essayé de me tirer dessus, c'est pas passé. Et une fois tout en bas des cascades, des différentes cascades que j'ai prises, j'ai même failli me noyer comme un con. Mais bon, c'était mieux ça que de Putain. se prendre une balle dans la tête. Et ben j'ai réquisitionné une voiture. Et puis après, voilà, il y a eu plein d'autres trucs. Et quand je suis retourné au poste enfin, j'ai demandé à la centrale de vérifier la plaque et ça appartenait La claque. au mec. Qui m'avait appelé au commissariat qui avait dit que sa voiture était volée, tu vois. Ouais, donc, du coup, bah, j'avais son nom, j'ai mis un avis de recherche. Il est Ah venu de lui-même, je l'ai cuisiné un peu, il a jamais voulu lâcher le mot, mais moi j'avais assez de preuves pour l'inculper, du coup, je l'ai foutu en fédéral. Ah, bah t'as eu raison, attends. Ouais, non, mais après, par contre, voilà, je peux pas t'en dire plus, mais ça part en cacahuète Oui. cette histoire. Si ça pue du cul, vivement que tu viennes en renfort avec moi le matin quand même. Ah, bah fais gaffe à ton cul alors en attendant, hein.
Ouais, En bah fallait pas que là. je te retrouve à la morgue. Hein. Je pense que t'aurais été là, ce serait pas passé comme ça, tu vois. Je pense que déjà, le Ah mec bon, qui m'aurait peut-être pas, braqué, je serais jamais monté dans son camion, puis à deux, je pense qu'on l'aurait fumé. ouais. Ouais, on aurait pu le maîtriser, ouais, ça. Enfin, bah, Ah bon, je te en tout cas, donne. ravi que tu ailles bien. Ouais, je te donne son nom au cas où que tu le croises et que voilà, qu'il Ouais, t'entraîne ok, pas dans des vas-y. affaires. C'est Anderson. Aiden. Aiden Anderson. Aiden ou Aiden, c'est Aiden Anderson. Ayden. Mais ok. Donc voilà, si tu croises ce mec, méfie-toi quoi. Par contre, Ouais, ok. lui dis pas, l'agresse pas directement sur ça, d'accord? Je t'ai rien dit. Ah non, non, t'inquiète, hein. Moi, tant qu'on me fait rien, je fais rien. Après, je fais Entre juste frères. attention. Entre frères, voilà, je te file des petites infos comme ça, mais. Chut. Ouais, t'inquiète, je m'en sers pas, je m'en sers pas. Ok, c'est super. Bon, ça va toi, Mina? Bah, c'est cool. Ouais, ouais, un peu marre de faire des allers-retours, mais bon. Ouais, tu Faut bien payer m'étonnes. sa croûte, toi, comme on dit. Bah, tu feras gaffe, y a pas mal d'agressions en ce moment sur ton corps de métier. Ouais, j'en ai croisé plein. Ils m'ont dit ça, moi, perso, j'ai jamais eu de soucis. Ouais. Je touche du bois. Bon, ouais, super. Bah, Bah, tu sais bon. quoi, je pense que t'as fini de charger là, je vais t'accompagner au chantier, pour Ouais, c'est t'escorter au ça. cas où qu'il se passe un truc, puis après, j'irai prendre ma fin de service. Bon, ok. Ouais, Bah, c'est allez, vas-y, je cool. te suis. Escorté, Fais quel pas trop top. le con. Bah, non, tu me connais. Ah, justement, je te connais. Ah, ce frère, je te jure. M'énerver. Non mais là je l'escorte et après basta quoi. Ah ouais non mais il y a la rediff les gars, vous pouvez y aller, pas de soucis. Hein. Je les laisse. Hein. Merci pour ton follow, mais quel con. Non mais quel abruti. Je savais que t'étais pas doué, mais pas à ce Eh fais point-là. gaffe, putain! Je lui ai dit pour ses feux God Legend. Non mais les feux des gens à chaque fois je leur dis pensez à les faire réparer et je les laisse le temps de le faire quoi. Par contre si je recontrôle dans la journée, je leur mets une amende. La seule fois où j'ai mis l'amende directement c'était à un papy. Mec je crâne chauve, une voix de papy de ouf. Je le contrôle et il me sort comme ça. Je lui dis je suis ouais, vos feux et tout, il avait aucun feu lui hein, mais tout était défoncé. Je lui dis je suis ouais, faudrait me faire réparer ça monsieur et tout. Et le mec il me sort, il fait ouais, ça fait 2 mois que c'est comme ça. Je sais quoi, ça fait 2 mois que votre camion est dans cet état-là. Vous foutez de moi et tout. Bah non, c'est comme ça et tout, machin. Du coup, là, je lui ai mis l'amende directement. Mais là, je laisse toujours une chance aux gens. Berlouf, ouais, c'est ça, bien vu, Elisa. C'était Berlouf. Berlouf ou pas trop Berlouf, un truc du genre. Il m'avait fait trop rire, il m'avait filé un bonbon à la menthe bien dégueulasse. Oh, le papy il est génial, les gars. Il est génial. Et merci pour tous les follow. Ça doit lui casser les couilles, je suis derrière en tant que flic. Du coup, il joue pas le malin. À la demande périmée. C'est Bios Microbe, ouais, c'est ça, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il est énorme. J'adore. J'adore.
Salut Soul Timber, t'arrives tellement au mauvais moment. Mais tu peux te taper la rediff si tu veux, il s'est passé des trucs de ouf. Des trucs de dingue! Ah, les PNJ de merde, quoi. Alors on a eu de la romance, on a eu de l'action avec le kidnapping, on a eu de l'interrogatoire. Mais c'est vrai que je suis pas bon pour faire les interrogatoires, hein. Faut vraiment donner tous les interrogatoires à Germain. Live. Merci les gars, ça fait plaisir. Putain, c'est des barges les gens. Ouais, non, mais t'inquiète, on en voit tous les jours des comme ça. Ah, j'attends toujours qu'il me frappe, moi. Comme ça, au moins, légitime défense. Ouais, t'as bien raison. Bon, après, tu pouvais arrêter à un moment, j'avais sorti le fusil pour dissuader, quoi. Ouais, mais bon, il y avait deux mecs, hein. Ouais, je sais, de l'autre côté du camion, il s'est barré dès que j'ai commencé à faire un tir de sommation. De semence. J'ai assuré qu'au camp, je sais pas. Ouais, bah, voilà. Ah, quel temps de merde, j'allais le dire. Putain. Ah, si, toi, ça. À part aujourd'hui, le travail, ça va. Pas trop oh, bah, c'était. Ou... ça a été ça toute la matinée, grosse merde. Hein. Parce qu'après, ah, bah, une fois que j'avais réuni l'épreuve, enfin, j'ai cogité, j'ai réuni l'épreuve. Déjà, juste après m'être échappé, je me suis fait aider par une amie, Elina Do, une taxi. Une amie? Ouais, une amie. Juste une amie. Bon, oh, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ça va me raconter, ouais. Ça. Hein ouais, bah, plus tard, j'ai passé une sale matinée. Ah, justement, faut parler de ce qui est plaisant, hein. Ouais, bah, du coup, elle m'a aidé, et après, une fois que j'ai retrouvé un peu mes esprits, et que j'étais au commissariat posé, j'ai mis les éléments point par point, puis, bah, ça m'a permis de serrer l'autre connard, quoi. Mais le mec, il a... Sinon, jusqu'au bout, quoi. Ah, bah normal! Ouais. Du coup, moi j'ai dit, ouais, j'ai assez de preuves, c'est mort. T'y passes, quoi. Ah, tant que toi tu le sens et que t'as les preuves, après, c'est fait, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, bah, voilà. C'est cool. Bah, surtout. Bah, allez, je vais pas t'embêter plus longtemps. Ouais, non, t'inquiète. Bon, là, je vais rentrer, fin de service, on va aller prendre une bonne douche. Ouais, ah, me doute, hein.
Ah, bien besoin. Ouais, vas-y, fous-toi de ma gueule avec ta ferraille, elle est crasseuse. Et toi, va faire réparer ton camion avec un de mes collègues te mette une petite amende. Ouais, je vais appeler là, je vais appeler, t'inquiète. Ouais, dépêche-toi. Je demanderai à mes collègues si ça a été fait. Ouais, bah y'a pas de problème, hein, tu peux leur demander. Bah, allez, en fait, bah. Tu la perds quand ta petite protection là, toute jaune. Je sais pas, mais là je pense qu'avec le rapport que je vais faire, j'espère avoir de moi une promotion ou une petite prime. Ah bah j'avoue, ouais, parce là, que là échappe à la mort de peu. Ouais, c'est ça. Bah allez, brother, fais gaffe, attention à toi. Et puis ouais, bah, on se voit bientôt. Ouais, bah ouais, pas de problème. Allez, salut. Si t'as des news, hein, tu me les envoies. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais essayer de contacter de le capitaine. Ou autre chose. Je vais voir avec le capitaine et le sergent. Tu vas bientôt arriver, t'inquiète. J'ai besoin de toi le matin. Allez, salut. Avec plaisir. Salut, rentre bien, attention sur la route et tout, blablabla, blablabla. Ah, blablabla. Normal, normal. Puis oublie pas de contacter ta copine, prends un peu de bon temps, ça te fera pas de mal. Ouais, c'est ça, foutain de ma gueule. J'ai pas le temps, professionnel, moi, monsieur, professionnel. Ouais, mon cul, ouais. Le plaisir, ça passe avant, mec. À chacun. Surtout quand t'es passé près de la mort. Hein? Ouais, non, là je vais prendre une bonne douche et un bon sommeil. Allez, salut frérot. Ouais, ouais. Allez, tchou. Et Nado, elle est souvent avec Lulia, Nado et Papy Patraf Berlouf. Peut-être, je... Jack White ne le sait pas. Alors le pseudo in-game, logiquement, les gars, il est mis directement sur le titre du stream. Hein. Merci pour les follow, HWBavey 884, vous êtes des dingues. 500 tous les quarts d'heure, Azote. En tant que cadet, hein, c'est le tout premier grade quand on arrive dans la police. Je m'excuserai, j'ai pas trop le temps. Lol, y'a plus ma voiture, fait chier. Allez, on a enfin terminé le service. Putain, y'a plus ma bagnole quoi. Et merci pour les follow. Bon, bah y'a plus ma voiture. De rien, Polska, merci à toi, merci d'avoir été présent du début jusqu'à la fin, quasiment, il me semble. Merci à vous tous. Ball 45 pense à notre sommeil. Que c'est mini RP. RP. Ah ouais, bah t'inquiète, ça va venir. Quand tu feras des services avec moi, ça va le faire. Bon, ça faisait une paire de temps, ouais, un bon 40 minutes que je disais que je devais arrêter. Donc ce coup-ci, on va vraiment stopper, mesdames. Merci pour le follow, merci, merci beaucoup. Grosse journée quand même, grosse prise de service, grosse prise de service. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les, comment ça s'appelle, les replays. Enfin les replays. Oui, le replay de ma diffusion sur Twitch, je la mettrai bientôt sur YouTube, et puis il y a peut-être des gens qui ont fait des clips. Donc voilà, voilà. Je remercie Lusia d'avoir été encore présent de A à Z et d'avoir fait ces petites commandes, même s'il y en a une qu'on s'en serait bien passé. Sinon, je vous dis à tous une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais vous faire des bisous. Allez, à la prochaine les gars. Sûrement demain matin. Allez, bisous bisous. Mais pas si tôt, hein, ce sera du 9h. 9h, ouais. Un petit 9h. Allez, salut à tous!